Alors le discours, il est là. Alors, c'est dans quelle chaîne t'étais? Voilà le discours, t'es là. Merci. C'est sur la chaîne qui me bloque souvent là. Mes chers compatriotes, s'il est un moment dans l'année que j'affectionne, Osuka Rabonda. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, s'il est un moment dans l'année que j'affectionne, c'est celui-ci. Chaque 31 décembre m'offre l'opportunité de m'inviter chez vous, de vous retrouver, de vous parler à cœur ouvert. En ce jour très spécial, j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui souffrent, en particulier les enfants, les femmes victimes de violences, les personnes âgées et isolées, ou encore celles et ceux qui sont atteints par la maladie. J'ai aussi une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés cette année et qui resteront gravés dans notre mémoire. Ce soir, c'est à vos côtés que je me tiens. Mes chers compatriotes, ce dernier jour de l'année est l'occasion de dresser le bilan de ce qui a été accompli tout en mettant le cap sur l'année à venir. En 2022, le Gabon s'est redressé après 2 années terribles marquées par la pandémie de la COVID-19. Notre pays s'est redressé et a repris sa marche en avant. Sur le plan économique, après la levée de toutes les contraintes liées à la pandémie, l'activité économique a redémarré. Les investisseurs ont fait leur retour. La croissance du Gabon a doublé pour se situer aux alentours de 3% contre 1,5% en 2021. Sur le plan social, pour contrer l'inflation et pour protéger en particulier les plus défavorisés, nous avons multiplié les efforts. Le prix de certaines denrées de première nécessité a été bloqué. D'autres produits, indispensables eux aussi à la vie quotidienne, ont été subventionnés. Et pour d'autres, l'État s'est privé d'une 30 milliards de recettes fiscales et douanières afin d'en contrôler le prix. Dans cette même logique, j'ai maintenu la gratuité des transports, dont le coût pour l'État est pratiquement de 13 milliards de francs CFA. Cette mesure, vous l'avez plébiscitée. Ainsi, d'avril 2020 à novembre 2022, en moyenne, 30 000 personnes chaque jour, parmi lesquelles nos élèves, ont été transportées gratuitement. Tous ces efforts, si colossaux soient-ils, s'imposent au nom de la solidarité nationale pour préserver votre pouvoir d'achat et faciliter votre quotidien. Toujours sur le plan social, 2022 a été marqué par la reprise en main de la Caisse nationale de sécurité sociale. Afin de pérenniser cette institution, garantir le paiement à bonne date, sans retard, des pensions à nos aînés. J'ai ordonné que la CNSS soit profondément réformée pour être un symbole de forte cohésion sociale. Aussi, un nouveau modèle de gestion paritaire intégrant l'État, les employés et le patronat va y voir le jour. Il a vocation à être étendu à d'autres entités comme la CNAVGS ou les hôpitaux. En matière de protection et de promotion des femmes, nos succès sont évidents. Pas tant. Des lois importantes ont été votées. Et au niveau politique, des femmes ont accédé aux plus hautes fonctions. Elles sont aujourd'hui un modèle, une source d'inspiration pour toutes nos filles au Gabon. Sur le plan territorial, des grands travaux ont été initiés, tels la Transgabonaise, qui sera l'une des plus longues routes terrestres d'Afrique. Son impact positif se fait déjà sentir en bien des endroits. Au niveau international, en cette année 2022, la position du Gabon s'est encore renforcée dans la lutte
contre le réchauffement climatique, grâce à notre protection en faveur de la forêt, le Gabon est considéré comme un pays leader. La COP27, qui s'est tenue en novembre en Égypte, l'a démontré. De même que le sommet Union européenne-Afrique en février, ou le sommet États-Unis-Afrique en ce mois de décembre. Toujours sur le plan international, 2022 a été marqué par deux événements historiques. En juin dernier, notre pays a rejoint la grande famille anglophone du Commonwealth. D'immenses opportunités s'offriront bientôt à nous, mais surtout à nos enfants et à nos petits-enfants. Et en octobre, pour la troisième fois de son histoire, le Gabon a présidé avec succès le prestigieux Conseil de sécurité des Nations Unies, démontrant à nouveau au plus haut niveau qu'il est un partenaire fiable, capable, responsable. Gabonaise, Gabonais, mes chers compatriotes, si je prends soin d'évoquer toutes ces avancées, toutes ces réussites, ce n'est pas pour m'en glorifier ou pour m'en satisfaire. Bien au contraire, je souhaite aller plus loin, beaucoup plus loin. Pour atteindre cet objectif, il est important de considérer sans détour ni complaisance, mais en toute objectivité, les œuvres réalisées et les acquis. Il est important de rappeler la réalité, une réalité incontestable pour mieux avancer. Si on s'est redressé, pardonnez-oh, le téléphone, oh, le téléphone a mis que téléphone chauffe. Oh là là, j'en peux plus avec. Mettons en œuvre de nouvelles mesures plus ambitieuses avec un plus fort impact sur la vie de nos communautés. En matière d'éducation, en une trentaine de mois, le nombre de classes a considérablement augmenté. Pour la prochaine rentrée académique, plus de 23 000 nouvelles places seront créées dans les établissements primaire, et de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ouvriront leurs portes. Les écoles provinciales de formation et d'action sanitaire et sociale de Mouila et Makourou, l'Université des sciences techniques de la santé d'Ocala, l'Université des sciences de l'éducation du Cap-Essayas ou encore l'Université de Port-Gentil. S'il vous plaît. À la fin du premier trimestre 2023, une bibliothèque en ligne riche de plus de 80 000 ouvrages verra le jour. Elle sera accessible à tous les étudiants et enseignants des universités publiques du Gabon. La fourniture en eau et en électricité, importante pour la qualité de vie au quotidien, s'est, elle aussi, améliorée durant ces dernières années, mais notre effort sur ce plan va être intensifié. En matière de santé, nous continuerons, comme nous l'avons fait, à construire et à réhabiliter des centres de santé, à améliorer la fourniture de médicaments, et à lutter contre la corruption, celle-là en haut comme celle-là en bas, que nous menons avec succès depuis plusieurs années, sera intensifiée. En effet, depuis 2019, celle-ci a permis à l'État gabonais de préserver plus de 1 000 milliards de francs CFA avec un impact direct sur l'amélioration du quotidien des familles. En matière sociale, en plus de 1 000 nouveaux retraités déjà intégrés en novembre dernier dans nos fichiers, 5 000 supplémentaires le seront en 2023. Les arriérés de pension de retraite seront intégralement réglés dès ce mois de janvier. De même, au cours du premier semestre 2023, ceux des prestations familiales, parmi lesquelles les indemnités journalières de maternité, qui se chiffrent à 2 milliards de francs CFA. En matière d'environnement, mon Dieu, mais on est mauvais peuple, hein, avec un président qui nous fait tout ça là, on continue à le critiquer. Mais on est un peuple, un grand nous. Partagez, s'il vous plaît, mes frères. Nouvelle orphère du Gabon. Aussi, à partir de 2023, un pourcentage du montant de la vente des crédits carbone, l'argent que nous percevons en contrepartie de la protection de la forêt, sera affecté directement à la lutte contre le conflit homme-forêt. Cet argent servira notamment à approvisionner le fonds de compensation des victimes des éléphants. Le fonds de compensation. Dans les mois prochains,
1500 compatriotes bénéficieront des premières indemnisations. Toujours afin d'aider ces communautés villageoises, après les 55 000 hectares de terre qui leur ont été octroyés en 2022 pour qu'elles tirent profit de la forêt, 350 000 hectares supplémentaires leur seront réservés et distribués sous forme de forêts communautaires. En matière de développement économique, la zone économique spéciale de Ngok est un succès. Elle a permis de créer près de 10 000 emplois, des centaines d'entreprises et d'attirer 1 235 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers. Ce succès, nous allons l'étendre dans d'autres provinces du Gabon. Deux autres zones du même type seront bientôt opérationnelles. À Ekolo, dans le Moyen-Ouai, et à Passa-les-Bombé, dans le Haut-Ouai. Encore 7 petites minutes. S'y ajouteront 5 zones agricoles à forte production, les ZAP. Chaque fois, localement, ce sont des milliers d'emplois qui seront créés. En matière d'infrastructure, un programme d'une ampleur inédite est en cours. Des kilomètres supplémentaires de routes seront construits, notamment des routes départementales qui permettront de désenclaver l'intérieur du Gabon. Les aéroports provinciaux, comme celui d'Oyem, vont ouvrir progressivement. Le projet de Beninga illustre la priorité donnée au développement local. Encore en phase de démarrage, ce projet industriel génère déjà près d'une centaine d'emplois directs. Il créera 800 emplois supplémentaires d'ici le troisième trimestre 2023, auxquels viendront s'ajouter presque autant d'emplois indirects. On peut mentir comme ça à l'international. Même et grande politique. Le Gabon des territoires. Dans le cadre de cette politique, ce sont les populations qui, localement, définissent leurs besoins, leurs priorités. Pour l'incarner, j'ai décidé dans un premier temps d'allouer chaque année une enveloppe de 2 milliards de francs CFA à chacune des 9 provinces. Ces fonds serviront à financer des projets décidés localement, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'agriculture, de formation, de santé. La politique, c'est un autre niveau. Ils seront gérés par les gouverneurs de province via des conseils provinciaux dont les membres sont les conseillers locaux. Cette initiative a vocation dans le temps à être renforcée. Car tout ne peut et ne doit être décidé ni géré depuis Libreville. Une bonne décision est une décision prise sur le terrain. Gabonaise, Gabonais, je n'ignore naturellement rien des importantes échéances électorales qui nous attendent dans quelques mois. L'État prend toutes les dispositions afin d'assurer leur meilleure organisation. J'ai entendu l'appel de mes compatriotes. Qui? Notamment des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir les bases de la préparation des scrutins. Parce qu'on sait que tu vas encore voler. En tant que garant de la stabilité de notre pays, je peux vous assurer que cette rencontre aura lieu dans les meilleurs délais. Le mensonge me dévaste. Mais 2023 ne doit pas être une année tronquée, escamotée. Elle doit être, en matière d'action publique, une année pleinement utile, et elle le sera. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas sur le frein, mais sur l'accélérateur que j'ai demandé au gouvernement d'appuyer. Mes chers compatriotes, en 2022, donc, pas combien, le Gabon s'est redressé. Il se redressait des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Le Gabon s'est redressé, écoutez, les propos d'Ali Bongo. Et à nos décisions, mais aussi grâce à vos efforts et à vos partagez-nous là, s'il vous plaît. Merci. 196 personnes. Parfois de manière spéciale. Et on continue à partager, mettre les cœurs, s'il vous plaît. Nous ne devons pas minimiser les investissements multiformes que nous avons consentis tous ensemble, ni le courage que nous avons tous manifesté par la prise de décisions audacieuses et leur application, en refusant de voir ces réalités indéniables. Bon, je pense que le discours important est passé. Tous les problèmes
en un coup de baguette magique, certains de nos concitoyens ont choisi la voie du populisme, le cancer de la démocratie. N'importe quoi. Faut pas nous lancer des pamphlets. À la différence du responsable politique qui cherche à faire, le populiste, lui, cherche à plaire. Son arme, le travestissement de la réalité, le mensonge. Face à cette menace qui ronge notre démocratie et mine le débat public, je voudrais vous inviter à faire preuve de maturité et de responsabilité, à ne pas écouter ni des Cassandres qui vous disent que rien ne marche, ni des charlatans qui vous disent qu'avec eux, tout irait mieux. Dans une démocratie, il est important que face à une majorité, il y ait une opposition. Encore, faut-il que cette opposition fasse preuve de lucidité et d'objectivité. Nous n'oublions pas les graines que nous avons semées à partir de 2009 et jusqu'à récemment dans le cadre du PAT, n'ont pas fini de produire leurs effets. L'industrie du bois, par exemple, s'est considérablement développée en une décennie, au point qu'aujourd'hui, le Gabon en est un des leaders mondiaux. En fait, j'ai su le discours cette avec vous en même temps, je l'ai vu et puis j'ai cru. Elle doit être poursuivie, si j'arrête, je risque de rater prolongée, amplifiée. Nous avons tout en même pour y parvenir. Mais je sais que pour être efficace, une action doit s'inscrire dans la durée. Gabonaise, Gabonais. Fondokan. Cette dernière soirée de l'année 2022 est l'occasion de... Bien, attendez, je vais tourner la caméra parce que... Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu les hémorroïdes à n'en plus finir. Hein. Excusez-moi du terme, excusez-moi un peu de la vulgarité. Alors... Comment allez-vous? Je ne sais pas ce qui arrive avec mon écran, mais pour moi, c'est un peu flou. J'espère que vous me voyez, que vous me regardez et que vous me percevez correctement. Bon, nous venons à peine d'écouter le discours de celui qu'on appelle le président du Gabon. Nous venons à peine, j'ai coupé, je pense qu'il reste 2 minutes, c'est là où il va dire au revoir, nanana. Donc l'essentiel a déjà été dit. Nous venons à peine de faire souffrir les neurones encore une fois de plus, nos oreilles, en écoutant le plus grand menteur que le monde ait connu, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, chers Gabonais, amis et connaissants de la République Gabonaise, vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de tabou. Moi-même à côté, j'ai mon petit discours à côté que je vais lire, que je vais vous faire parvenir. Mais analysons un peu le discours d'Ali Bongo Ondimba. Peut-être que j'ai sauté quelques trucs, mais en grosso modo, on va faire l'analyse globale. En grosso modo, pour Ali Bongo, tout va mieux au Gabon. Donc, nous sommes un mauvais peuple. Nous sommes des mauvais citoyens. Nous sommes des mauvais habitants parce que lui, il fait des efforts. Et nous ne reconnaissons pas les efforts qu'un tel président qui nous aime tant, qui met des choses en place. Il a créé, il va mettre l'année prochaine 23 000 place pour des enfants. Déjà, il ne nous fait pas déjà le rapport des places de cette année, combien il en a mis en place. Mais là, il revient en disant que l'année prochaine, il va créer 23 000 places. Il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il a mis en place l'année 2023. Donc, vous les Gabonais, vous venez mentir à chaque fois. Mais 2022, Ali Bongo a permis qu'à ce que plus de 30 000 personnes puissent se déplacer à Libreville, dans le Gabon entier, gratuitement, grâce au transport que lui, il a mis en place pour la population. J'essaie de voir les grandes lignes que j'ai relevées. Il a créé plus de 100 000 emplois. 100 000 emplois. 100 000 emplois dans un secteur. Il a encore créé 1 500 emplois dans quel secteur? Mais on va revenir au fur et à mesure. Ça, ce sont les avancées qu'Ali Bongo a fait. Ali Bongo dit qu'au niveau international, le Gabon est bien perçu. Ça, je fais l'analyse globale. Vous avez fait avec moi, ça m'évite d'aller encore réécouter. Mais nous avons écouté, si vous êtes comme moi, nous avons à peu près les mémoires flashy. Mais Ali Bongo, pour lui, dit... Au niveau de l'international, le Gabon est bien perçu. Le Gabon a une cote, le Gabon a gagné une cote grâce à lui, grâce à ses partenariats, puisqu'il nous a amené au Commonwealth ou au Commonwealth, c'est-à-dire qu'on est rentré en anglophone. Donc, avec le Commonwealth où nous sommes rentrés là, nous, le Gabon, comme ça, nous sommes déjà bien vus. Le Gabonais ne meurt pas de faim parce que lui, il va créer, il a créé, il va encore recréer les emplois.
Il a mis la sécurité sociale. Chaque Gabonais bénéficie de la sécurité sociale. Pourquoi on se plaint alors qu'on a tout? Il a mis en place la retraite, la réforme des retraites pour les parents, les mêmes retraités qu'on a vus assis au bord, à chaque fois là, réclamer leurs droits. En fait, voilà pourquoi je vous dis, les gens qui écrivent, les gens vraiment qui écrivent les discours des présidents, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Les gens qui prennent le temps d'aller écrire un discours aussi pompeux, vous êtes des criminels. Parce qu'il faut prendre des exemples. Là, Ali Bongo pense seulement, j'ai fait, je vais avoir. Il faut prendre des exemples. C'est-à-dire, quand tu dis, j'ai mis 30 000 places, il y a eu 30 000 places gratuitement. Tu donnes les exemples, par exemple, du quartier en allant de PK8 au Vendôme. Les bus sont gratuits. Tel bus, vous prenez, sont gratuits. J'ai mis en place les taxis gratuits qui tendent de là à la droite en ville, gratuits. Tu ne donnes aucune. Tu ne donnes pas des statistiques réelles. Tu ne donnes pas des chiffres réels, comparables, où les gens peuvent aller vérifier. Mais amène-nous les papiers là. On va lire. Nous allons vérifier, Ali Bongo. Nous allons vérifier ton bilan. Voici 7 ans déjà, Ali Bongo. Nous rentrons en 2023 où tu vas sûrement te représenter l'année prochaine. Ton bilan est zéro, mais tu es le seul président. Tu es le seul homme au Gabon qui dit que tout va bien au Gabon. Tu es le seul qui a le culot de venir se mettre devant la face du monde entier. C'est-à-dire que tu fais passer les Gabonais pour des mauvais citoyens. Tu nous fais passer pour des enfants qui ne sont jamais contents. Tu nous fais passer pour des enfants qui ne se rassasient jamais de rien. Toi seul, tu viens de dire que toi, tu nous as donné des écoles, tu nous as donné des logements, tu nous as donné la santé. Toi, Ali Bongo, tu nous as tout donné parce que, je répète, les gens qui écrivent tes discours sont des criminels. Ce sont des criminels de la nation. Vous ne pouvez pas venir pomper un tel discours avec des mots gros français avides de sens. Avec des mots avides de sens. Tu as dit que parlons un peu du côté sanitaire. Tu as dit que tu as amélioré les infrastructures au niveau de la santé. Que les Gabonais peuvent se soigner dignement avec la SEMU, avec la sécurité sociale que tu as mis, comme on appelle, la CNAMAGES ou la CNAMAGES. Ali Bongo, de qui te moques-t-on? De qui te moques-tu? Tu te moques de qui? La même CNAMAGES là, les mêmes malades Gabonais qui viennent demander de l'aide aux Gabonais, quelle assurance que tu as mis? Même cette CNAMAGES là est devenue un business pour les Gabonais. Même cette sécurité sociale qui est un droit pour les Gabonais, c'est devenu un business. Il faut miser pour que tu puisses avoir ta carte de sécurité sociale. Toi et ton gouvernement, vous n'êtes qu'une bande de voleurs. Il n'y a pas de transparence avec vous. Bande de responsabilité totale. Il n'y a pas de transparence avec ce gouvernement. Vous volez les budgets de l'État. Tu parles en milliards. Où sont les résultats de ces milliards-là pour que nous, les Gabonais, on puisse au moins fermer nos bouches? Où sont les résultats de ces milliards? Tu as dit dans chaque province, tu vas investir. Où tu as investi 2 milliards de francs, CFA, dans quoi? La rue de Makoku, prends-moi l'exemple de Makoku, c'est encore là. Dans quoi tu as investi les milliards en question? Dans quoi? Parce que non, on va te donner le bénéfice du doute. On a vu de quoi à ton français? On a vu de quoi à ton analyse, parle doucement, putain. Nous avons envie de croire ce que tu dis. Et lorsque tu parles de milliards, tu parles des jeunes qui vont aller à l'école, tu as fait des progrès. Tu as fait de hauts progrès concernant la jeunesse gabonaise. Quels sont ces progrès, Ali Bongo? Laquelle jeunesse gabonaise? Celle que tu tues? Celle que tu matérises tout le temps. Laquelle de ces jeunesses que toi tu as fait des progrès? Laquelle? Mais putain de merde, qui écrit ce genre de discours? Prenez un peu le temps de dire, oui, mes chers compatriotes, je reconnais que j'ai failli. J'ai un déficit telle place. J'ai un déficit au niveau de la santé. J'ai un déficit au niveau de telle place. Mais j'espère qu'avec vous l'année prochaine, je ferai mieux. C'est pas compliqué de reconnaître l'échec. J'espère que l'année prochaine, je ferai mieux pour mon pays. Je ferai mieux pour vous, chers compatriotes. Aidez-moi à faire mieux. Accompagnez-moi. Maintenant, tu viens t'asseoir là. Tu dis que tout va bien. Que tu as relevé le Gabon de la crise. Tu dis que tu as mis des milliards partout. Nous, on doit te croire. On doit croire à ton mensonge. Parce que tu t'appelles Ali Bongo. Bonsoir, frère Rob Koula.
Ali Bongo, il est Ali Bongo, est le seul qui me rend nerveuse quand je prends la parole. Ali Bongo, c'est le seul qui me met dans tous les états. Je ne sais pas comment quelqu'un peut aussi mentir librement comme ça, il vient poser avec des chiffres. Alors, je sais que beaucoup sont pédagogistes, ils croient à tout ce qu'Ali Bongo dit et que apparemment il y a eu des efforts. Si on peut aller encore écouter, mais ça va m'énerver. Ceux qui vont réécouter, réécouteront son discours. Il y a eu tellement d'efforts pays et que l'année prochaine, il va en faire plus parce que tout simplement, il a placé le Gabon au plus haut niveau qu'il n'était. En 2019, il a trouvé le Gabon KO. En 2009, il a trouvé le Gabon KO. Grâce à lui, il a relevé le Gabon. En 2009, lorsqu'il prend le pouvoir, il a fait plus que ce que son père n'a fait. Il a dépassé son père. Sors d'ici, va à la chambre. Il a dépassé son père. Il a fait mieux que son père. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il vient vous présenter son projet en disant, cher peuple gabonais, j'ai créé 10 000 emplois telle place. J'ai créé 100 000 emplois telle place. J'ai investi 2 milliards telle place. J'ai investi 30 000 machins telle place. J'ai fait ça. J'ai fait des routes. J'ai fait des hôpitaux. Mais pendant ce temps, on attend encore les 5 000 minables logements que tu as promis aux Gabonais. Les 5 000 minables logements. Oui. Permets-moi de dire ça. Pendant ce temps, nous, le peuple gabonais, nous attendons encore les 5 000 putains de merde de logements que tu nous avais promis. Que tu as promis à ta nation que tu aimes tant. Pendant ce temps, tu prends des milliards. Allez investir ça aux gens, allez danser. Les gens vont faire des concerts à la noix, les concerts à la con, pendant que la plupart des Gabonais meurent dans les hôpitaux que toi, tu as dit que tu as développé des hôpitaux de celle-ci. Peut-être que je ne suis pas au Gabon, ou bien c'est les Gabonais qui sont tellement égoïstes et hypocrites qui viennent mentir dans les réseaux sociaux alors que leur président fait tout pour eux. Voilà comment toi, tu viens faire un bilan. Parce que 2023 arrive, tu veux te présenter, il faut montrer aux yeux du monde entier que ton bilan est positif. Tu as un bilan qui séduit le monde, qui séduit l'international. Mais lorsque l'international va voir comme ça, j'espère, mais oui, puisque tu n'as pas un concurrent devant. Qui va te concurrencer? Qui va te mettre face? Tu n'as personne devant. Tu n'as que ta parole, on n'a que ta parole contre qui? On n'a que ton mensonge. Tu as mis le gouvernement, tu as demandé au gouvernement d'appuyer sur l'accélérateur. Mais oui, ça c'est l'accélérateur. Ils ont accéléré en dépouillant l'argent de l'État gabonais. Vraiment, ils ont accéléré. Ils ont vraiment fait ça. Pourquoi? Ils ont été mandatés. Accélérer comment dépouiller l'argent aussi rapidement en un clap de temps. Et 2023 arrive, on va recommencer avec les mêmes choses. 2023 arrive, nous allons recommencer avec les mêmes choses, à se mettre là à crier. Moi, j'en ai vraiment marre. Alors, j'ai terminé de crier et j'arrive maintenant un peu, parler un peu à ce monsieur, dire correctement si tu es vraiment un homme. Déjà, je commencerai déjà par le directeur de cabinet ou le directeur de communication d'Ali Bongo Ondimba. Vous là, faites attention au peuple gabonais. Vous là, vous qui prenez vos stylos entanchés de sang des Gabonais là, faites attention lorsque vous venez écrire vos conneries sur les réseaux sociaux, sur les papiers, pour que votre mongol de président là vienne balancer ça à la nation entière. Je ne sais pas sur quoi. En fait, à un moment donné, il faut qu'on fasse un débat contradictoire. Vos chiffres et les chiffres que les gens vont aller prendre les économistes et on va prendre les analystes, on va prendre les ingénieurs pour bien analyser vos conneries que vous venez balancer aux Gabonais là. Vous avez créé plus de 100 000 emplois où? Vous avez développé quelle infrastructure? Vous avez investi où? Vous avez fait quoi que nous, on n'a pas vu? Comme après, tu viens dire que le populisme, il ne faut pas suivre. C'est ça que tu regardes et la société civile. Et oh, tu sais, tu écoutes. Les gens, tout le monde ne peut pas parler de toi de la même chose. Tu ne vois que depuis des années, on ne répète que la même chose. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a défaillance quelque part. Le Gabon entier ne peut pas te reprocher la même chose, Ali Bongo. Arrête. Sors de la bulle où tu t'es planté là. Sors de la bulle où toi tu es rentré. Sors de là-bas. Écoute ce qu'on te dit. Ça veut dire que même si tu as envie de voler, vole intelligemment. Vole correctement. Je passe là. 2023 arrive, cher peuple gabonais. Je ne suis pas duré. Parce que je dois aller encore sur un autre live. Et je devrais peut-être participer là-bas, m'inviter. Je ne me trompe pas. 2023 arrive.
Je souhaiterais que le peuple gabonais prenne conscience que si on veut du changement, ce changement-là viendra par nous, grâce à nous, à cause de nous, et en commençant par nous, peu importe, prenez le bon, vous laissez le mauvais à côté. 2023, chacun d'entre vous devrait réfléchir. J'ai vu les femmes, lorsqu'Ali Bongo allait faire sa conférence, sa COP là, j'ai vu les femmes gabonaises qui passent le temps à pleurer, à pleurnicher de la misère. À pleurnicher de la misère. Vous, femmes, toi, femme, tu es la première qui vend ton pays. Tu es la première à vendre ta dignité, aller danser avec les pagnes à cause de quoi? C'est vous qui faites en sorte qu'Ali Bongo croit que le Gabon l'aime, que les Gabonais l'aiment. Les seules personnes qui aiment Ali Bongo Ondimba, c'est les gens qu'Ali Bongo donne de l'argent. Aujourd'hui, si Ali Bongo a des fidèles, ce sont les fidèles qu'Ali Bongo donne de l'argent. Il n'y a pas un seul Gabonais lambda qui n'a jamais mangé l'argent d'Ali Bongo qui sortira aujourd'hui dire fièrement qu'avec amour, avec fierté et patriotisme, j'aime Ali Bongo Ondimba. Je vous mets au défi de me montrer ce Gabonais. Il n'existe pas. Toutes les personnes qui sont autour d'Ali Bongo sont des cupides. Ce sont des personnes qui sont là parce qu'Ali Bongo met des milliards pour acheter de l'amour. Ali Bongo met des milliards pour entendre des conneries, pour que des mères de famille, des pères de famille, vous bafouez votre dignité, vous bafouez votre honneur pour de l'argent et vous vendez votre pays. Parce que si le Gabon entier, nous étions un, si nous parlons tous d'une seule voix, la voix de la liberté, Ali Bongo ne serait pas aisément assis en venant parler que d'innovation, de progrès, de développement. Comme nous, au Gabon, comme ça, nous sommes trop développés parce qu'on allait rentrer sur un bout de papier qui s'appelle « Comment what ?» Nous sommes trop développés parce que lui, il voyage, allait faire les communes, les COP 27, les COP 40, les COP de sa tête. C'est comme ça que nous nous sommes développés. Mais au niveau national, zéro impact. Électricité dans les villages, zéro impact. Des écoles, c'est aujourd'hui qu'Ali Bongo sait qu'il n'y a pas d'école. Il va mettre, il a dit combien? J'ai noté, c'est les points importants que j'ai dû noter. 23 000 places et d'autres établissements seront créés. Il y a quelqu'un qui veut participer? Même si je ne voulais pas dire l'État de Zambie, c'est qui encore, hein? Oh, permettez-moi de voir qui c'est avec mes longs ongles, là. Hein? C'est qui veut rentrer, là? Le nom là, Kiwi Barbe, il n'y a pas de photo, s'il vous plaît, parce que quand je vais être autorisé de rentrer, c'est sûrement quelqu'un qui va venir insulter, me faire embrouiller le lave. Mais je vais quand même accepter. Hein? Si je vois que c'est une personne très, très hors sujet, j'enlève, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que ça ne peut pas. Donc, voilà. Donc, voici, si je peux ajouter la lumière, et ma voix. Voici comment Ali Bongo, pour lui, il s'est dit, il est aimé et que les gens acceptent que c'est un bon président. Parce que honnêtement, ne peut apprécier et ne peut être avec Ali Bongo que les personnes qui lui sont redevables. Les personnes qui savent que c'est grâce à Ali Bongo si j'ai ma petite structure. C'est grâce à Ali Bongo si je suis ministre. Quand un ministre va aller embaucher ses cousins, etc. Mais en majorité, généralement, aucun citoyen gabonais ayant le sens que nous avons tous ne peut dire aujourd'hui qu'Ali Bongo est un bon président. De 2009, 2016, et nous rentrons en 2023 à la troisième, peut-être troisième candidature d'Ali Bongo Ondimba. Cet homme n'a fait que dépouiller. Et quand je parle d'Ali Bongo, je ne parle pas de lui seul, avec tout son système. À un moment donné, change-nous de discours. Cette manie de faire la répétition chaque année, vous changez seulement quelques chiffres, mais c'est le même discours. Ali Bongo n'a jamais reconnu son échec quelque part. Il n'a jamais dit que cette année, nous avons échoué. Cette année, nous avons des déficits. Il n'y a jamais de déficit avec Ali Bongo. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a jamais de 0%. Avec lui, c'est que des progrès, des progrès, des progrès. Et des progrès qui ne sont jamais, jamais visibles et vérifiables pour les Gabonais. Oui, mais quand nous, on viendra parler, quand nous, on parle, quand je parle du nous, c'est-à-dire que la population, y compris autres, nous sommes les personnes qui veulent détruire le pays. Nous n'aimons pas le Gabon. Il est le seul, alpha et l'oméga, qui aime tellement le Gabon et on est tous jaloux de lui. On est tous, en fait, nous, là, on est tous jaloux de lui. Des mères
Des mères accouchent, amènent le sol devant Ali Bongo. On est jaloux. C'est lui qui a promis les logements, les mêmes logements qu'il a promis au peuple gabonais. Il y a même le business dans ce logement-là. Quand on vient dénoncer, on est jaloux, on ne l'aime pas. Comment on ne peut pas aimer quelqu'un qui fait autant d'efforts pour les Gabonais qui sommes nous? Comment arrivons-t-on nous à détester un bon président comme Ali Bongo? Mais nous sommes des malades. Pendant que des enfants n'ont pas de scolarité, Ali Bongo, lui, nous on a des scolarités partout. On a tout, mais comment on peut être aussi ingrat? C'est ce qu'Ali Bongo veut nous faire comprendre. C'est ce qu'Ali Bongo veut faire comprendre à l'international, que mon peuple est un peuple ingrat. J'en fais assez pour ce peuple, mais il est tellement ingrat. Nous sommes sortis de la crise COVID. Tu as fait quoi de la crise COVID? Qu'est-ce que la crise COVID a rapporté au peuple gabonais? Qu'avons-nous gagné? Tu as pris le peuple en otage pendant un an. Tu as vendu le vaccin pendant un an. Vous avez vendu le vaccin. Quelqu'un de l'a vacciné, il faut payer pendant un an. Vous vous êtes fait de l'argent sur quelque chose. Votre minable démon qu'on appelle COVID, là, que je n'ai pas envie de... À cause de... Ils m'ont signalé la page ici. Parce que voilà, c'est notre élément là-bas, que je n'ai pas envie de mélanger les sujets. Non, Ali Bongo, toi aussi. Ali Bongo, toi aussi, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, viens nous retrouver dans le monde du réel. Ali Bongo, réveille-toi. Viens nous retrouver dans le réel. Le réel et la réalité en est que tu es un incapable, cher grand frère. Le réel et la réalité en est que tu es un mauvais président, cher grand frère. Le réel et la réalité en est que tu es un irresponsable qui ne sait pas reconnaître ses échecs, cher grand frère. Je ne t'appelle pas président depuis que tu as volé 2016. Je ne t'ai jamais appelé président et je ne le ferai jamais. Et je ne le ferai jamais parce que je ne t'ai jamais voté. Même si le Maboul, Jean Ping, les Maboul dans son côté là-bas. Je reconnais avoir voté ce Maboul président que toi. Tu comprends? Je reconnais avoir voté et soutenu ce Maboul président que toi. La vérité, c'est qu'Ali Bongo, tu tues les Gabonais au sens propre et figuré. Et tu n'es incapable de reconnaître cela. C'est ça la vérité que tu ne veux pas montrer au monde entier. La vérité, en est que Ali Bongo, le peuple gabonais ne veut plus de toi, ne veut plus de Bongo. Ne nous forcez pas à vous aimer. C'est ça la vérité. Vous êtes là par la force, vous êtes là par des magouilles. Si cela ne tenait qu'au peuple gabonais, il y a longtemps, même en 2009, tu ne serais pas là. C'est pour ça que vous avez fini avec Mbaobam, vous avez fini avec Mambundu. On ne sait pas qui sera le prochain. On se demande même pourquoi Papa Ping encore des vivants. C'est un chinois. Là-bas, ils ont leur fétiche. Mais bon, c'est un credo et balle perdu, président Ping. Tu comprends? La vérité, c'est ça. Tu peux aller séduire la France parce que la France s'en fout des intérêts du Gabon. Tu peux aller séduire la COP minable, votre COP que vous faites minablement qui ne concerne pas le Gabon là. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à s'inquiéter pour les intérêts ou l'avenir du Gabon. Tu peux les séduire avec le mensonge. Mais si un d'entre eux tombe sur les lives ou les communications d'un Gabonais, ils vont comprendre que, chers partenaires internationaux, l'homme avec lequel vous voulez traiter, ce n'est qu'un incapable. L'homme le plus incapable que le monde n'ait jamais connu, c'est Ali Bongo, avec près de, comment on appelle, à peine 2 millions d'habitants, tu es incapable de donner le nécessaire à ta population et tu viens t'asseoir avec ta mine dépouillée, avec ton corps dépouillé de sens et tu dis que nous avons fait des progrès. Lesquels? C'est bien beau de parler, prends des exemples. Là, tu as parlé en chiffres, montre-nous les exemples. Dis par exemple, Ali Bongo, dis par exemple, à Bikele, nous avons mis 5 000 établissements où nous avons créé 5 établissements. À Bikele, fais les exemples comme ça. Je veux voir des exemples palpables, pas des chiffres en l'air, pas des chiffres pompés. Ou bien à l'Econi, nous avons développé, nous avons créé 2 universités. À l'Ebamba, nous avons créé 2 hôpitaux. En Bois-Vindo, nous avons commencé à bituner des routes. Nous avons mis des ponts parce que vraiment c'est une route maîtrière. Nous avons mis les lèvres qu'on commence dans le Bois-Vindo. Nous allons continuer jusqu'à Belinda. Il faut nous dire ça.
vérifier. Et comme ça, moi, Claire, même qui t'insulte là, je viendrai encore te dire Kali Bongo. Tu es un incapable, mais cette fois-ci, tu as fait quelque chose. C'est comme ça on parle à la nation. C'est comme ça on montre ses réalisations. Pas des chiffres pompés. On est fatigué de vos pompements. On est fatigué de vos pompements, pompements, pompements. Des gros Français qui ne nourrissent pas la population gabonaise. Votre discours ne donne rien aux Gabonais. Tu as dit que tu as fait des progrès au niveau de la santé. On aimerait savoir combien d'hôpitaux, des dispensaires dans les villages tu as mis en place. Moi, je suis d'un petit village, le village le plus connu du Gabon, à Benelan. Il n'y a pas d'hôpital là-bas. Je n'ai même pas un seul dispensaire. Et je pense que d'autres villages sont comme le nôtre. Pas de dispensaire. Où tu as fait des progrès côté santé là? De quel côté santé, toi, tu as fait des progrès? Combien des structures hospitalières, par le français, putain. Toi, Ali Bongo, tu as mis en place combien? Hein? Puisqu'il y a de progrès à ce côté-là, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. Alors, combien d'établissements scolaires? Puisque là, tu as dit, il y a eu des avancées. Mais l'année prochaine, il y aura encore, puisque tu vas créer 25 000 places et plus d'autres. Mais cette année, dans quel coin du Gabon, tu as eu des avancées là? Dans quel coin? Excusez-moi de crier, je ne sais pas parler doucement. Dans quel coin du Gabon, toi, tu as mis des avancées? Hein? Oh! Mais ce n'est pas possible, vous n'allez pas finir. Ah non, mais... Cher compatriote, Ali Bongo, tu es un compatriote. Mais tu ne vas pas t'arrêter à un moment donné. Mais à quoi que tu aimes qu'on t'insulte, tu aimes qu'on te parle mal? Tu as investi où? Tu as fait quoi? On veut voir. On va envoyer les gens aller filmer. Vos arrangements entre amis, entre voisins, entre amis, va gratter là-bas et tu grattes là-bas. Les amis prennent les milliards et ils s'en vont avec et ils font de conneries avec l'argent des Gabonais. Ils achètent des voitures, des maisons, des milliards. Ils attrapent les enfants. La justice du Rocossiang. On viole des femmes, on vient déposer. Rien. Tu ne parles même pas de la sécurité. La sécurité nationale, oui. Sécurité. Alors, tu t'en fous parce que tu nourris ça. Parce que tu nourris le voyoutisme. Parce que toi-même, tu es un voyou. Et donc, le voyoutisme, là, ne mérite pas. Tu ne parles même pas de la sécurité. Tout récemment, on a vu une jeune femme qui a été violée et balancée. Tu ne parles pas de ça. Des cas comme ça, tu ne parles pas. Tu t'en fous puisque tu es un violeur toi-même. Un violeur ne peut pas dénoncer des violeurs. Un criminel ne saurait dénoncer des criminels. Mais il faut venir parler. Gros français, nous avons investi, nous avons fait ça, nous allons faire des réformes. Réformes. Tu te crois en France? Tu te crois aux États-Unis, en Amérique ou? C'est quelle réforme que toi tu as fait? J'ai un père retraité, je vais savoir lequel tu as fait. Je l'appelle et il me dit, quelle réforme que toi tu as fait? Tu parles souvent à qui? Aux animaux? Bien. Faites un effort, s'il vous plaît, mes chers compatriotes. Eva, amène-moi un peu de l'eau, s'il te plaît. Faites un effort. J'ai assez crié et je commence à avoir mal à la tête. Parfois, mes cris, c'est les énervements. Le mensonge, j'ai vraiment... Je suis allergique au mensonge. Je suis allergique à la manipulation. Pour ça, jusqu'aujourd'hui, j'ai réfléchi. Moi, je dis souvent, je ne pourrais pas faire la politique. Je ne dis pas jamais, parce que je peux apprendre. Mais au fur et à mesure, j'apprends que faire la politique, il faut être soit un gros menteur, soit un gros manipulateur ou une grosse manipulatrice. Et ce sont les qualifications que je ne peux pas avoir. Ça veut dire que tu peux aussi être véridique, mais une vérité que tu peux cacher. Quand tu vois autant d'injustices dans notre pays et que tu vois que beaucoup de personnes continuent à vénérer Ali Bongo, malgré les échecs, malgré tout, je me rends compte que ce n'est pas fait pour tout le monde. Le peuple gabonais mérite mieux que ça. Le peuple gabonais mérite mieux que des discours pompeux. Après, on va lire le discours de Jean Ping bientôt. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. J'irai regarder, mais lui, je n'interprète. Moi, je n'analyse pas son discours. Parce que son discours, je le connais déjà par cœur. J'ai été élu. Vous m'avez soutenu. Lui, c'est un pleurnichard. Voilà. Ouais, je n'analyse pas le discours d'un plénichard. Je préfère encore analyser le menteur qui est devant moi. J'ai terminé avec le plénichard. Jean Ping, c'est un plénichard.
Il viendra encore planifier. J'ai été élu, j'ai été élu, j'ai été élu. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est pleurer, pleurer, pleurer. Il pleure pendant 7 ans. Il n'y a rien d'autre. Pendant 7 ans, Ali Bongo occupe le terrain. Ali Bongo, plante son mensonge partout. Si au moins l'international voyait qu'il y avait l'opposition, malgré que nous ne sommes pas au bord de mer, mais que nous sommes sur le terrain, mais que notre président élu, soi-disant, est là depuis quand tu me mets de l'eau dans la tasse, hein? Prends le verre. Je suis une villageoise. Si au moins il mettait les choses en place, rien. Donc, j'espère tout simplement que nous, le peuple gabonais, nous allons nous en sortir de l'année 2023. Et croyez-moi. Soyons optimistes. Oui, oui, soyons optimistes. On va être optimistes. Restons. Et croyez-moi, pour ma part, hein, ne suivez pas. Ne me suivez pas. En fait, vous pensez me connaître, vous ne me connaissez pas. 2023, là, je vais observer. Au moment venu, quand je vais décider, je vous dirai que les amis, voici ma décision, si je dois suivre quelqu'un ou pas, comme je le fais en 2016 avec Jean-Pierre. C'est là où vous avez vu que mon combat a commencé, c'est là où vous m'avez connu. Parce que beaucoup d'entre vous ne me connaissez pas. Je suis quelqu'un qui lutte contre l'injustice depuis mon plus jeune, âge. C'est la résistance qui a tout simplement m'a fait connaître. Si j'étais quelqu'un qui n'était pas contre l'injustice, vous ne m'aurez pas connu. Ou bien j'aurais abandonné. Beaucoup sont venus par les ambiances. Ceux qui sont venus par les ambiances sont quittés. Regardez bien. Ceux qui sont pour la soif de la justice sont toujours restés debout parce que nous ne sommes pas venus par les ambiances. Et je ne suis pas venu dans cette résistance pour les ambiances. Je sais ce que je suis venu faire. Et je ne suis pas venu avec quelqu'un. Je suis venu seul. Je n'ai trouvé personne. Je me suis levé chez moi ici en Alsace. J'ai pris le train. J'ai dormi dehors à Paris. Personne ne me connaissait. Et je ne dois rien à personne. Je ne dois aucune explication à personne. Et je ne fais mon combat pour personne, si ce n'est que pour moi-même. Je connais qui sont mes ennemis. Je connais qui sont mes ennemis. Vous comprenez? Et mon ennemi, quand je parle d'un ennemi, encore c'est un gros mot. Et je pense que mon ennemi du progrès ici, c'est le gouvernement gabonais. Voilà. Donc quand on s'élève, quand on est des enfants gabonais et que nous aspirons tous à un meilleur, soi-disant, à venir. Nous devons chacun d'entre nous être conscient qu'il est acteur du changement. Ce n'est pas moi, ni X, Y, activiste ou homme politique qui sera acteur du changement à ta place. Autant que nous sommes dans ce pays, nous sommes tous des acteurs. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, ni vos valeurs, ni vos droits, ni vos obligations, c'est votre problème. Mais moi aussi, il est très que vous pouvez me qualifier. Il y a une chose que j'ai que vous n'avez pas. C'est la confiance en moi. Il y a une chose que j'ai que vous n'avez pas. C'est l'amour de mon pays. Et ça, je dis bien ça, aucun énergumène sur cette terre ne peut m'arrêter de dire ou de faire ce que j'ai envie de faire dans mon pays. Alors, M. Ali Bongo Ondimba, tant que tu continueras à mentir, je serai toujours ta petite mouche qui viendra t'appeler par ton nom. Bande d'incapables. Un incapable notoire, tu es. Je clôturerai pour toi, Mina. Je vais lire. Moi, je ne veux même pas écouter ce discours. Je ne veux pas écouter ce discours de le papa pleurichard de Jean-Pierre. Lui, c'est le papa pleurichard. Je n'ai jamais vu un président qui pleure comme Jean-Pierre. Il pleure. Bon, parlons-en. Moi-même, je nous ai préparé un discours. Ce n'est pas le discours à la nation, mais le discours pour nous. Nous, le peuple, nous avons aussi besoin de nos discours nous-mêmes. J'ai passé mon temps à essayer de griffonner quelques mots sur mon bout de papier, en espérant que les mots-là seront retenus. Gabonaise, Gabonaise, chers amis, bonsoir. Comme j'aime nous appeler mon cher royaume. Ce n'est pas par hasard que je nous appelle royaume. Beaucoup se donnent les noms sur les réseaux sociaux parce qu'on veut avoir des abonnés ou autres ou par les petits noms comme ça. Mais moi, c'est toujours chaque nom que je prends, c'est significatif. Comme je me suis porté le nom de maréchal des opprimés, c'est pour quelque chose. C'est pour ça que nous appelons un royaume. Un royaume où il y a toutes sortes de personnes. Il y a des députés, il y a des secrétaires, il y a des maréchaux, il y a des avocats dans ce royaume. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes parfois qui m'appellent. Moi-même, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est cette femme au haut de ces 1m60 que les gens apportent autant de soutien, de réconfort privé? Mais comme vous le savez, ce qui se dit, bah, ne peut pas forcément être divulgué. Moi, j'ai toujours demandé aux gens ici, il faut apprendre à connaître quelqu'un.
apprenons à nous connaître. Ceux qui essaient de connaître votre reine savent très bien. Le mensonge et moi, c'est deux choses. Je peux peut-être ne pas aimer dire quelque chose, mais le mensonge et moi, c'est pas, c'est, ça ne fait pas bon ménage. Parce que plus tard, parfois, forcément, je finis par dire la vérité. Donc, je nous ai préparé notre petit discours pour la nation gabonaise. Oui, vous savez que moi, j'aime faire les choses comme les autres ne font pas. Au moment où nous célébrons la fin de cette année, je tiens déjà à remercier toutes les personnes, c'est-à-dire tous, pour votre engagement et votre dévouement en ma petite personne, en faveur, c'est-à-dire que ma petite personne d'être ici à m'écouter. Je tiens aussi à vous remercier pour le partage, la protection de nos idéaux et de nos valeurs. Ensemble, nous avons accompli beaucoup de choses. Oui, les gens vont dire quoi par rapport à Ali Bongo? Par rapport à nous, nous avons accompli beaucoup d'actes sociaux ici, ou sociaux. Sociaux. C'est-à-dire, nous avons commencé par, nous avons aidé beaucoup de gens. Nous avons fait ça, nous avons fait des campagnes, nous avons sensibilisé les gens qui ont amené leurs problèmes. On ne l'oublie pas, l'enfant, qui a, la jeune sœur qu'on avait kidnappée, la jeune sœur que l'enfant a été, le bois sac et la reine. Nous avons fait beaucoup de choses avec notre plateforme ici et vous avez toujours été là, partager et faire véhiculer nos messages. Oui. Nous avons accompli beaucoup de choses au cours de cette année pour faire avancer notre cause. Et pour le changement que nous aspirons tous pour notre pays, c'est-à-dire la conscience collective, l'entraide sociale. Nous avons pu avancer cela. Voilà pourquoi beaucoup, quand vous avez des problèmes, vous savez qu'il y a des plateformes phares que nous devons saisir. C'est parce que nous sommes devenus cette plateforme-là. En 2022, malgré les difficultés que j'ai rencontrées, oui, les amis, malgré les clashs que j'ai vécus, oui, les amis, malgré les dénigrements que j'ai subis, oui, les amis, malgré le harcèlement que j'ai subi, oui, les amis, malgré les défis auxquels notre plateforme a été confrontée, nous avons réussi à maintenir notre cap, notre visibilité, notre motivation à poursuivre notre détermination, à poursuivre nos efforts avec détermination. Oui, quels sont ces efforts-là? Toujours à faire passer le message d'amour, le message de paix. Ça, c'est maintenant mon discours que je vais vous faire là. Voilà. Oui. Nous avons organisé des actions via notre magnifique plateforme qui se veut désormais être la plateforme tournante. Oui, incontournable au Gabon, par le français. C'est ça qui est la vérité. Nous occupons une grande place importante dans notre pays. Grâce à votre solidarité, à vos partages, nous avons pu amplifier notre impact et notre influence, que ce soit dans les réseaux sociaux et dans notre pays. Personne ne viendra nous dire le contraire. Vous êtes des reines, vous êtes des bosses. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation et de mobilisation. Lorsqu'il y avait le COVID ici, Tata dérangeait à parler, COVID, on n'allait pas où. Et beaucoup, vous avez écouté la petite voix de Tata dérangeait qui vous disait de faire attention. Oui, les amis, nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation. Oui, nous sommes une plateforme incontournable de sensibilisation. Et nous avons continué à nous battre pour la justice, la démocratie et les droits de l'homme. Lorsque un de nôtre était arrêté, nous avons toujours parlé et partagé. Lorsque un Gabonais vivait l'injustice, comme la maman qu'on avait dépouillée après la mort de son mari, comme la maman qu'on a pris le terrain, ainsi de suite, nous, notre plateforme, avec d'autres plateformes, là, j'ai fait notre discours, je n'ai pas parlé pour les autres, nous avons toujours été là et nous avons toujours été auprès des Gabonais pour la démocratie et les droits de l'homme au Gabon. Et nous espérons avoir de nombreux résultats positifs pour l'année prochaine. Et nous allons continuer à s'acharner sur notre travail. Oui, c'est moi qui ai écrit. On continue. Hé, hey, Claire. En fait, j'écris beaucoup. Comme je parle beaucoup, ça, c'est un discours de la gloire. On continue. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont participé à nos campagnes et actions pour mon association Akamayon, qui aujourd'hui se veut être Newman Foundation. Nous avons fait les levées de fonds, que ce soit en privé. Cette année, j'ai pu aller donner les dons à une école. Nous avons fait les dons à Mabanda,
oui, à Mabanda. Nous avons pu donner toute une bibliothèque à Mabanda et d'autres encore qui viennent encore parce que je n'ai pas encore tous les retours. Mais tout ça, c'est grâce à vous, grâce à vos petites, pas petites, donc grâce à votre petite mobilisation. Parce que oui, il faut se dire, quand vous êtes ailleurs, il y a une grande main, cette mobilisation est importante pour moi. Vous voyez comment? D'accord? Donc, merci en tout cas d'avoir contribué et m'avoir permis de réaliser les actions de nos œuvres caritatives. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons continuer à faire la différence et à changer surtout les mentalités des Gabonais. Parce que beaucoup de Gabonais ont encore des mentalités, comment on appelle ça? Rétrograde. Voilà. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons faire la différence en semant l'amour, en continuant à véhiculer le message de paix et d'unité, malgré toutes les attaques que nous subissons sur notre plateforme. En cette fin d'année, je tiens également à rendre hommage à tous ceux et celles qui se sont battus et continuent à se battre pour la démocratie dans notre pays, même si ces personnes et moi ne partageons pas le même amour national, mais ces personnes-là sont toujours là aussi pour notre pays, même si ce sont nos ennemis de Newman Boss. On va aussi les remercier. Nous disons merci à nos confrères et consoeurs qui sont tombés cette année. J'ai une pensée à Hervé Mombo-Kinda, qui est parti au début de cette année en février. À Pat Colline, parti tout récemment. Une pensée à nos frères et sœurs incarcérés depuis 2016, donc on n'entend plus parler d'eux. D'autres ont été aussi emprisonnés. Je pense au lieutenant Kelly Obiang, qui a voulu bien sûr faire le changement de notre pays avec l'action qu'il avait mise en place. Mais encore une fois, le pays n'a pas suivi. Je pense à Jean-Rémy Yama, qui est emprisonné et a perdu sa femme. Le pauvre, jusqu'aujourd'hui, n'a pas eu le temps de rendre hommage à sa femme. Et plein d'autres Gabonais qui sont toujours en prison et n'attendent que justice ou peut-être libération. Nous avons une pensée pour eux qui vont passer les fêtes en prison. Bien évidemment, nous avons une pensée pour tout le peuple, pour tous ces peuples gabonais qui se meurent au sens propre et figuré. Une pensée profonde pour les familles du PK8 décédées lors du sinistre de l'écoulement qui a fait, je pense, plus de 5 morts. Tout ça, c'est les politiques d'Ali Bongo, 5000 logements et celui qui vient se glorifier avoir fait des progrès dans notre pays. Dieu te voit, Satan te pardonne. À nos héros tombés en 2016, assassinés rien que par la soif d'une alternance gouvernance, nous devons nous inspirer de ces personnes-là décédées et prendre leur courage et de ne pas abandonner notre combat. Nous devons continuer à nous mobiliser pour défendre nos droits et nos intérêts, car personne d'autre ne viendra défendre notre Gabon à notre place. Pour cela, nous devons rester unis et solidaires et continuer à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous et toutes dans la paix et l'unité. La guerre ne construit pas. Nous devons être conscients et conscientes que notre combat n'est pas encore terminé. La preuve, l'incapable Ali Bongo souhaite sûrement se présenter. Donc notre combat ne fait que commencer, on va dire ça. Il n'est pas encore terminé. Mais nous avons la capacité, la force, l'énergie, les moyens pour réussir ce combat, si on s'y donne à fond. Oui, beaucoup pensent surtout aux moyens financiers, mais je pense que le plus grand moyen que nous avons pour gagner notre combat est nous, le peuple. Nous sommes le seul et unique moyen pour se débarrasser de cette dictature. Je vous remercie de nouveau pour votre engagement et votre soutien à ma personne. Je sais que je ne suis pas facile à vivre. Je ne suis pas facile à être devant vous, avec mes crises de nerfs, mes crises de colère, mes pleurs, mes danses, mes business. Beaucoup d'entre vous ne me comprennent pas. Beaucoup d'entre vous ne me saisissent pas. Beaucoup me détestent sans me connaître. Beaucoup m'aiment sans me connaître. C'est ça la vie. Mais je vous remercie. Je remercie les ennemis, les amis et même les inconnus. Car vous faites de moi ce que je suis. Et je fais de vous ce que vous serez peut-être demain. Je vous souhaite une bonne fin d'année, ainsi que toutes mes félicitations pour les réalisations que vous allez accomplir au courant de l'année 2023. Pour l'année 2023, je vous demande de rentrer cette année avec un cœur de paix. Ne passez pas
à l'année avec la colère. Il vous reste 2 heures. Débarrassez-vous de toute haine, de toute colère. Rentrez dans la paix. La colère, la haine ne construit pas. Elle vous consume. Alors, mes chers boss lady, mon cher royaume, mes chers amis, mes chers tous, ma petite famille des réseaux sociaux, je vous aime d'un amour patriotique. Je vous aime d'un amour sincère. Avec moi, il n'y a pas d'hypocrisie. Je peux être folle, une timbrée quand il le faut. Mais je sais une chose, c'est que le peuple gabonais mérite aussi l'amour. Le peuple gabonais mérite le bonheur, la liberté. Si, avec moi, vous trouvez un peu de sourire, alors je suis ravie de partager ce petit sourire de temps en temps avec vous, de partager vos peines avec vous. Mais soyons fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de notre pays et prêts pour poursuivre la lutte pour la justice et l'égalité pour tous. C'était mon... Vous m'embrouillez là, pardon. Je vous remercie avec toute ma gratitude et mon respect. Je suis Claire Newman, activiste gabonaise. Je me fais appeler maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangée. Bouche percée. Je dis ce que je pense ce que je dis. L'hypocrisie n'est pas mon fort, le mensonge n'est pas mon fort. J'ai des défauts, vous les avez tous, mais j'ai une chose et que vous avez, c'est l'amour de notre pays. Partageons tous ensemble cet élément commun qui est le Gabon. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête. Faites attention à vous, ne buvez pas beaucoup. S'il y en a qui boit et qui doit rouler, ne roule pas, dors dans ta voiture. Les fins d'année ne veulent pas dire forcément mourons en fin d'année. Bonne fin d'année à vous et on se donne rendez-vous l'année prochaine, 2023. Que vive le Gabon, que vive la paix et que vivent les enfants gabonais. Et surtout, que vive notre magnifique plateforme.